Salut à tous, c'est Kiwi, on retrouve Peter Parker pour le 19e épisode de The Amazing Spider-Man 2. Si vous aimez le contenu et que vous souhaitez m'envoyer de la force les petits amis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et mettez un maximum de commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines aventures. Allez, on se lance dans la suite de cette aventure. Moi je dis c'est parti! Se sert de ces générateurs pour créer un bouclier. Je dois les détruire. Ok. Times Square a l'air d'être le point central. Ok, ça commence très très bien. Est-ce que ça fait mal ça, cette grande boule là? Je me pose des questions. Ça fait de l'écho, on te comprend pas, Electro, vraiment, on ne te comprend pas. Y a quoi à ramasser au fait ici? Y a vraiment rien à ramasser. Ça me servira. J'ai bien assez de sucre pour te réduire en temps. Ah. J'ai raté un truc là ou pas? Tout le monde s'en fiche! Je vais les forcer à en prendre conscience! Non! Impossible de traverser ce champ de force! On dirait qu'il est alimenté par le courant de ses générateurs! Alors attendez, attendez, attendez! Ça commence à m'énerver sérieusement! Voilà! On va régler son problème à cette machine. Si je détruis pas ces générateurs, je ne pourrai pas m'approcher de Times Square. On va les détruire, Spidey, t'en fais pas pour ça, on va les détruire. Allez, accroche ta toile, bordel! Qu'est-ce que ça me saoule? Il fait n'importe quoi, la caméra qui s'emballe là, il fait n'importe quoi. Pourquoi il veut pas? Où est-ce qu'il est? C'est à moi. Il faudrait qu'on aille en bas. Ah mais je prends tarif là en fait. Vite, Spidey, grouille. Impossible de traverser ce champ de force. On dirait qu'il est alimenté par le courant de ses générateurs. Je me fais tirer dessus mais salement. Je me fais salement tirer dessus là. Si je lui saute dessus, on va être propulsé un petit peu au-dessus des bâtiments. Des buildings, du coup, on va pouvoir, voilà, on va pouvoir faire ça comme ça. Putain. Qu'est-ce que ça me saoule? Non. Pourquoi je vais mourir? Soigne-toi, Spidey, soigne-toi. L'autre, il est tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas. J'espère qu'il n'y a pas besoin de les réactiver une fois qu'on les a tous défoncés. Spidey, dépêche-toi. Ah ouais, tu crois ça? Plus de bouclier. Times Square, me voilà. On va péter la gueule d'Electro. Je le reconnais, ce type.
Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je t'avais pourtant prévenu. Tu vas le regretter. Ouais, donc clairement, c'est une réinterprétation. Je vais y arriver. C'est une réinterprétation du deuxième film. C'est clairement ça. Ça ressemble pas du tout à ce qui se passe dans le second film, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas trop mal, hein, Times Square en mode nocturne, sans aucune lumière dans la ville, là, tout ça, c'est pas mal. Hein. Mais il faut que j'aille péter la gueule de ce... de cette pile électrique Energizer, Duracell. C'est bon, je t'ai grillé, mec. Non, c'est sérieux, là? J'ai l'impression de te connaître, Max Dillon. Tu ne t'en souviens même pas. Tu as dit qu'on était partenaires et que je devais être... tes yeux et tes oreilles. Je m'en souviens. C'est bien ce que j'ai dit et je le pensais. Menteur! Tu m'as abandonné! Abandonné dans cet endroit. Tu les as laissés me faire du mal. J'étais tout seul dans le noir. Max, j'ignore ce qui vous est arrivé. Je vois bien que vous souffrez, mais je peux rien faire si vous coopérez pas. J'ai vécu toute ma vie dans le noir. Tout le monde s'en fichait. Vous allez voir ce que ça fait. Electro, tu vas te calmer. Je crois que ça n'a pas marché. Malveillants partout, Max. Je suis navré pour ce qu'ils vous ont fait. Mais franchement, c'est pas une raison pour devenir comme eux. Oh, le truc. Hey, je sais qu'on est en combat, mais tu pourrais recharger mon portable? Je pourrais recharger mon portable, sérieusement, Spidey, là? C'était ta faute. Electro, il est temps que t'arrêtes tes conneries maintenant. Arrête tes bêtises, mec. Je l'ai esquivé, je l'ai esquivé. Il est rapide, le mec. Au début, j'avais un peu pitié de toi. Et puis maintenant. Je vais montrer ce que ça fait de souffrir. Ouais, mais je vais te faire souffrir un tout petit peu, mec, tu vas voir. Non, esquive. Allez. Raté, raté, raté. Eh, ce réflexe, je ne sais pas ce que ça fait si je me la prends. Mais je pense que je vais prendre Tari. Pour un type électrique, t'es pas brillant. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Qu'est-ce qui t'arrive? Un petit QTE de l'enfer là, allez! On est loin de la série God of War, hein, mais. J'aime bien aussi. C'est pas trop mal. Je sais pas ce qu'on vous a fait, mais vous avez l'esprit troublé! Vous n'êtes pas obligé de faire ça. On peut vous aider! Non! C'est ce que ces docteurs ont dit! Et ils m'ont fait souffrir! Plus jamais! J'en ai marre de passer inaperçu! On va vous remarquer maintenant! Je vais illuminer la nuit pendant qu'il tremble dans l'ombre! Vous avez de sacrés problèmes d'amour propre, pas vrai? Il faut que je l'arrête ou il faut que je tire sur ces boules là? C'est quoi son problème à lui là? Est-ce qu'il perd de la vie en faisant ça? Je crois pas, hein. Ah, j'ai pris cher. J'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à se rapprocher de lui de plus près que les 100 mètres qui ont l'air d'être... Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Putain. Sérieux là?
J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Spidey, soigne-toi, s'il te plaît. Ah, il se recharge. Il se recharge, Spidey. Non. Il faut surtout pas ça, hein. Je t'en empêcherai. Je te laisserai pas de nouveau m'enfermer à Ravencroft. Ravencroft? Max, je viens d'apprendre ce qui se passe. Inutile de te battre contre moi. Va tout raconter à la police. Ensemble, on peut les arrêter. Dis-moi, tu peux jouer aux jeux vidéo? Tu fais pas tout planter? Est-ce que tu peux faire des let's play sur YouTube? Esquive. Ouais, ça va, ça va, ça va. Oh non, mes lanceurs de toiles sont morts. Je préfère te tuer plutôt que les laisser me reprendre. Ah ouais? Mon Dieu, ta facture d'électricité va être énorme. Ouais, j'espère que t'as... Comment est-ce qu'on appelle ça? Que t'es chez une bonne compagnie d'électricité, parce qu'effectivement la facture va être salée, hein. Oui. Allez, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Tu ne te rechargeras plus maintenant, c'est fini, mec. Calme-toi, tu t'es cru dans Dragon Ball ou quoi? Calme-toi un peu. J'ai pas peur de ça, j'ai pas peur. Je vais tellement te bomber la tête. Non, tout devient noir. Et on rallume la lumière. Difficile de pas avoir pitié de lui. Ça a pas marché. C'est une victime. Et si ce qu'il a raconté sur Ravencroft est vrai, je dois condamner cet endroit. Oscorp est l'un des principaux donateurs. Harry peut peut-être nous aider. Trophée obtenu, des branches. Des branches, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est toujours qu'à 13 minutes de vidéo. On a encore un peu le temps, hein. Largement même. Ouais. Monsieur Osborne, vous aviez raison. Fisk achète les parts d'Oscorp pour tenter une OPA hostile. Mais tant que vous êtes là, nous pourrons l'en empêcher. Ouais. Tant que je suis là. J'ai la formule, monsieur, du venin d'araignée de Richard Parker. Mais elle a entraîné de graves effets secondaires à chaque fois qu'on... Plus grave que la mort. Je prends le risque. Je prends. Laissez-moi. Foutez-moi la paix. Docteur Kafka, c'est une réaction normale? Non. Il faut tout arrêter. Il faut arrêter le programme tout de suite. On a ouvert le monde à l'envers, comme dans Stranger Things. D'ailleurs, Stranger Things, une très très bonne série, excellente, à ne pas rater. Il y a déjà 4 saisons. Et peut-être que lorsque vous verrez cette vidéo dans un an, en 2023, je ne sais pas, peut-être que vous aurez vu la saison 5, la dernière. Mais ça serait un bond dans le futur me concernant à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, quoi. À tous les agents de la brigade spéciale, au vu de la menace croissante que représente le justicier masqué dénommé Spider-Man, nous avons l'autorisation de passer à la phase 3 du protocole d'élimination. Veuillez noter qu'il n'y a pas de phase 4. C'est la fin. C'est la fin. Toi, tu n'es pas Spider-Man. Toi, tu n'es pas Spider-Man. À toutes les unités dissidentes de la brigade spéciale, tenteraient de placer des dispositifs non identifiés et peut-être dangereux dans des zones peuplées. Soyez très prudents.
Ils ont perdu les pédales. Il faut que j'arrête ces bombes. Ouais, j'avoue, il faut que t'arrêtes toutes les bombes là, mon gars. Faut que t'arrêtes tout. Spider-Man, la brigade spéciale tente de vous attirer par tous les moyens. J'ai enfin un nom. Enfin, plutôt un titre. Le Caïd. Il soudoie des membres de la brigade spéciale et s'arrange pour qu'il vous accuse d'être responsable de toute cette violence avant de vous éliminer, et ce même si tout New York vous considère comme un héros. Je n'ai pas encore de preuves solides, mais j'y travaille. En attendant, considérez que tous les agents de la brigade spéciale en ont après vous. Ne faites confiance à personne. Signé Whitney Chang. On a un dispositif suspect à Midtown East. À toutes les unités. Oh, j'en ai marre de leurs appels à radio. Ok. J'ai plus d'options là. On va aller désactiver la bombe à 600 mètres par là-bas, en priorité. Voilà. Elle est juste là-bas, putain, elle est tout là-bas. Tout là-bas. Non. Et c'est parti! C'est à 200 mètres. Allez! Faut qu'on se magne, je suis déjà blessé de partout. Mon costume est dégueulasse. C'est un enfer. Allez, plus que 100 mètres. Et allez, le bouffon vert qui s'en mêle. Tout le monde est d'accord que cette brigade spéciale était vraiment une idée à la noix. Dépêche-toi, Spidey, dépêche-toi. Par où, par là-bas. Vite. Putain, c'est vachement loin. Et c'est parti. C'est vachement loin. Ok, la bombe. Tu peux sauter maintenant. Allez, passons à la seconde. J'avais pas vu les amis dans les deux premières tentatives qu'il y avait un timer. Donc je disais, je n'avais pas vu qu'il y avait un timer lorsqu'on s'approchait des cibles. Maintenant que je sais qu'il y a un timer, on va pouvoir se dépêcher. Il me semblait qu'il fallait qu'on esquive les petits drones qui étaient à proximité soit de la bombe. Soit vous êtes avec ceux qui posent des bombes, soit vous m'empêchez de les atteindre. Dans les deux cas, on a un problème. Effectivement. Ça va faire mal. Trem, on devrait plutôt s'affronter en breakdance. Oh, tu pourrais pas être plus ridicule. Faut que je les massacre. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Enfin, si. C'est de l'amour vache. T'es vraiment nul à ça. Voyons ce que tu sais faire. Allez, vas-y vite. Cible en vue. Ouvre le feu. Vite, Spidey, dépêche-toi, on n'a pas le temps. J'aime faire du mal. Prendre la bombe. Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Toi, tu vas finir au fond de l'eau. Par là-bas. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que tu m'énerves des fois, Spidey, là? Ouais. Oh, juste attends. Allez, troisième bombe. Dépêche-toi. Quelqu'un a signalé un paquet suspect. Suivez les protocoles d'évacuation. 900 mètres. Les démineurs sont en route. Putain, je sauve la ville de bombes. Et il y a des soldats là qui m'en empêchent, quoi. C'est quoi ces conneries? Raté. Raté. T'essaies de me tirer dessus, c'est loupé, mon gars. J'ai reçu un message. Bon, on va prendre le temps de lire nos mails. Hein. Alors, article spécial The Wake, le mec, il y a des bombes qui vont exploser. Alors, Parker, un vieil escroc appelé Adrian Toomes, dirige la nouvelle discothèque de The Wake. Je ne peux pas encore prouver qu'il fait quelque chose d'illégal, mais ça ne saurait tarder. Prends une photo de la boîte, je la publierai quand je l'aurai chopé. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Activité de contrebande. Est-ce que ça, c'est pas des... Ouais.
Ok, on verra ça plus tard, hein, pour l'article spécial, on verra ça plus tard. Et tout le monde s'en fout. Le mec il dépose des bombes, tout le monde s'en fout quoi. Sérieusement. Vous êtes soit des renégats, soit des crétins. Si c'est la deuxième option, je m'excuserai plus tard. Ce choc a affecté mes lanceurs de toile. Attends. Je dois faire plus vite. Que je préfère dans mon camp. C'était pas un combat équitable. Mais c'est toi qui as commencé. Bravo, une action au ralenti. J'ai pas le temps là, j'ai pas le temps. Allez. Ça va exploser, j'ai pas le temps. Impressionné là. Tu prends ça à la légère. À moins que tu sois vraiment. J'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps de me soigner. Tranquillou. On a largement le temps, ou peut-être pas, remarque. Hein. Ça se trouve, on va échouer cette mission, lamentablement. Où est-ce que je dois aller? Il faut que j'aille au fleuve, et ouais, vite. Facile, facile. Easy. On y est large. J'ai failli attendre. Si vous avez la ref. Ok, la bombe. Tu peux sauter maintenant. Si vous avez la ref sur le « j'ai failli attendre », les petits amis, dites-le moi en commentaire. Personne ne pose de bombe dans ma ville. Personne. Alors. À toutes les unités, rendez-vous au bâtiment d'Oscorp. Établissez un périmètre et évacuez les civils. On signale des individus hostiles sur les lieux, armés et dangereux. Pas encore. Il faut que j'y aille tout de suite. Effectivement. À moins qu'il y ait des enquêtes photos à prendre tout autour de la ville, là. J'ai pas l'impression... Non, il n'y a aucune enquête photo. On est à combien de pourcents du jeu ? On est à 12 missions sur 14, on est à 88%, c'est pas trop mal. Encore 3 enregistrements à trouver. Ok, on verra ça plus tard, Hop là, raté. Allez. C'est par là. Comment j'ai bombardé là? Waouh! On dirait qu'une bombe a explosé à Oscorp. Peut-être même plusieurs. Je dois trouver le responsable. Et m'assurer qu'il ne recommencera plus. Génial! Écoute, je sais que la brigade spéciale croit que je suis la réincarnation d'Al Capone, mais une menace plus grande pèse sur la ville. Le bouffon vert nous a donné cette armure quand il nous a libérés de Ravencroft. On bosse pour lui. Et il te veut. Mort ou vif. Putain, mais sérieux là. En fait, je crois qu'il veut ta peau. Vous êtes vraiment sérieux les mecs là? Bon, écoutez, vous en avez probablement rien à faire, mais je connais même pas ce bouffon vert dont vous parlez. Eh bien, le patron te connaît, lui, et il nous a demandé de te ramener. En morceaux, si nécessaire. Hey, tu trouvais les pigeons agaçants? Et c'est les explosifs. Ah, ça me saoule. Allez, descendez de votre connerie là. Et je me suis fait flinguer. On est sérieux là? On est sérieux sur ce qui vient de se passer? J'étais pas full life, j'aurais dû m'arrêter avant. Non mais c'est pas grave, c'est de ma faute. Je n'étais pas full life, c'est entièrement de ma faute. Pas de problème. Je reviens et je vous défonce. On dirait qu'une bombe a explosé à Oscorp. Ben voilà, nickel. Plusieurs. Je suis déjà là. Encore? Je suis déjà là. Bon, écoutez, vous en avez probablement rien à faire, mais je connais même pas ce bouffon vert dont vous parlez. Eh bien, le patron te connaît, lui. Et il nous a demandé de te ramener. En morceaux, si nécessaire. Il faudrait que je cogne le même. Si je connais toujours le même, voilà, il y a moyen que... Nickel, ça. Nickel. Ce genre de technologie que la brigade spéciale utilise. Qui t'a donné ça? Qu'est-ce que t'as fait à... On descend. C'est plutôt ce que tu lui as fait qui devrait t'inquiéter. Et ce qu'il te fera en double. Ok, écoute bien, Spire numéro 4. Je veux des réponses.
Tes copains ont l'air de dire que ce bouffon vert est Harry Osborn. Mais il ferait pas ça à sa propre entreprise. Faut croire que tu connais pas le patron si bien. C'est quoi son ça. Problème, lui? Alors imagine, s'il a fait ça, Oscorp, qu'est-ce qu'il te fera à toi? Parfait, ça. Ça, c'est parfait. Les feux de l'enfer vont s'abattre sur toi. Ouais, tu crois ça? Hey, tu seras moins nerveux si tu m'imagines nu. K.O. Non, en fait, fais pas ça. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Il y en a d'autres, là? Moi, je vous attends, les mecs. Hein. Centrale, on a des agents dans ma zone. Je l'ai. Je me brûle le cul, en plus. Hein. Regardez-moi ça. Ça va pas tarder à s'écrouler. S'il y a des gens piégés là-dedans, je dois les aider. Tout de suite. Non, j'aime pas ces missions-là. Aidez-moi. Ah, ok. Ça va, c'est que des défis de sauvetage simples. Merci Spider-Man. Je vais écrire Spider-Man, au journal pour dire qu'il se trompe sur vous. Pas de problème. Allez Spidey, dépêche-toi. C'est ce que j'ai toujours voulu. Au secours! On étouffe! Voilà, et de deux. T'es un véritable héros, Spider-Man. Ouais, j'essaie de faire au mieux. J'essaie de faire au mieux, mais là, franchement, je ne trouve pas où partir. Est... Les gens sont en danger. Il est là, il est là. La question se pose pas. Ces gens ont besoin de moi. Merci. J'ai cru que j'allais mourir. Mais de rien. Et c'est quoi l'étape suivante? C'est pas possible. Harry Osborn, c'est vraiment toi? Tu crois vraiment que c'est moi? Non, Harry Osborn est mort. Grâce à toi, il ne reste plus que le bouffon vert. Tu pouvais pas attendre, hein? T'as essayé autre chose? Le venin d'araignée de Parker. Et regarde, je vais beaucoup mieux. Je t'avais dit que c'était dangereux. J'étais en train de crever, pauvre naze. J'étais censé faire quoi? T'aurais pu me laisser mener les recherches. Non. À partir de maintenant, je vais obtenir tout ce que je veux. Je me fous de savoir qui je dois tuer. Rejoins le bouffon vert. Ok. J'adore ce... Y a pas des enquêtes photos à faire? Toujours pas? Enquête photo... 21 sur 30, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je pense que... J'ai pris assez de café. On va se rapprocher de la cible et on va déclencher la mission dans la prochaine. Histoire de ne pas rater un gros morceau de scénario. Qui c'est qui m'emmerde? Qui c'est qui m'emmerde? J'en étais sûr. Et c'est parti! Ok. Non. Non. Putain, mais foutez-moi la paix, quoi. Foutez-moi la paix. Je vais peut-être mourir. Bon, ben voilà. Non mais la réactivité de Spider-Man là, zéro, nul à chier, zéro, il s'accroche au bord de l'immeuble, j'arrive pas à le décrocher, à faire plus vite, non et voilà, qu'est-ce que ça peut me saouler. Regardez. Est-ce qu'on est prêt ça. Est-ce qu'on est prêt de la cible? À s'écrouler. On n'est pas prêt. S'il y a des gens piégés là-dedans, je vais les aider. Mais non, je les ai déjà sauvés.
Bon, les petits amis, on va s'arrêter là. Pendant le sauvetage de ces trois civils, hein, pour la deuxième fois. Et on va pas les re-sauver tous, hein. De toute façon, ça a déjà été fait. On se retrouve dans la prochaine vidéo, au début, hein, au début de rien du tout. Juste à côté du prochain point de mission. Je vous dis à la prochaine, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. À la prochaine, salut à tous, bye.